Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais vous représenter donc le scénario 5 du cycle 6, une tempête sur le havre de Cobas, qu'on avait raté la dernière fois. Mais cette fois-ci, du coup, alors je l'ai réessayé avec le deck Rohan et Hobbit que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. J'ai réussi deux fois, j'ai perdu plein de fois. Bref, c'est toujours assez long, assez fastidieux, puis. Enfin, c'est assez difficile. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter cette fois-ci cette vidéo en solo avec le deck Rohan. Mais comme ce deck n'est pas hyper performant, et ben pour changer, on va faire un mode facile. Alors, le mode facile, c'est quoi? Ben, déjà, les héros partent avec une ressource chacun. J'ai aussi enlevé du deck de rencontre les cartes avec le petit sigle orange. Et évidemment, du deck corsaire, les corsaires avec le petit sigle orange. Voilà. Donc voilà, on va faire le mode facile avec le deck Rohan. Donc j'ai mis à 30, tour 0. Comme objectif, j'ai choisi la tour de la mer pour pouvoir piocher des cartes en plus dans lors des tests de navigation. Et j'ai aussi pris Narenelia comme deuxième bateau en plus du chasse-rêve. Je dois protéger cet objectif. Chaque joueur révèle la première carte du deck corsaire et la met en jeu, engagée au combat avec lui. Pirate rusé. Le pirate rusé gagne 1-1 pour chacun. Quand le pirate rusé vous engage au combat, défaussez un attachement, j'en ai pas. Et placez sur lui autant de réserves. Bon, bah ça va, il attaque à 2. Bon, j'ai tiré ma main de départ, qui était ça. J'ai fait un mulligan, c'est pas terrible. Je prends ma septième carte. Et j'ai deux autres ressources. Trois autres ressources. Une, deux et trois. Alors. Pour 1, puisque le premier allié, grâce à Narenelia, le premier allié que je joue me coûte 1 de moins. Je joue la voyageuse de la route de l'Ouest. Pour 1, je vais jouer Nivacrin sur Théoden, comme ça il pourra aller en quête. Et si j'ai assez de cette quête, il se redresse. Pour 2, je vais jouer. Peut-être mieux que j'attende parce que le tour d'après, je pourrais avoir les deux d'un coup. Donc pour 2, je vais plutôt jouer le destrier d'abord. Voilà. Le destrier bardé sur Bérégon. Voilà, comme ça, le tour d'après, lui, me coûtera 1 si je le joue en premier. Donc je pourrais le payer. Et puis, ben, les ressources tactiques, ça sert à rien. Voilà pour l'organisation. Je vais faire le test de navigation. Donc du coup, bah, lui, il est déprotégé dès le départ. Donc j'ai deux cartes de base. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aimerais bien prendre celui-là de toute façon dès le début. Comme ça, je serai tranquille. Je vais engager. Est-ce que je prends le chasse-rêve pour faire deux de plus? J'ai bien besoin du 5 quand même. Non, tant pis, si j'ai pas le test, bah tant pis, c'est pas grave. Allez, j'engage personne, donc j'ai deux cartes. Une et deux. Mince, bon bah. Je tiens pas le cap. C'est pas grave. Ensuite, quête. Alors, quête, on va mettre Théoden pour 3, puisque chaque tactique a un de plus. Le chasse-rêve pour 5. Et elle pour 2. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une carte. Ah, c'est la tour de la mouette que je vais protéger du coup. Est-ce que vous la voyez jusque là? Voilà, oui. Par un lieu. Donc, il y a 3, 3, 6, 7, 8. Moi, j'avais dit que j'avais 10. 5 et 3, 8, 9, 10. Donc, je gagne 2. Comme c'est un suite de cette quête. Comme c'est un suite de cette quête, Théoden peut se redresser grâce à Nivacrin, puisque Nivacrin nous dit que quand on obtient un suite de cette quête, on peut redresser le héros attaché. Et voilà. Alors là, si je tiens pas le cap, ce qui est le cas, la mer étoilée gagne augmenté de 3 niveaux de menace. Est-ce que je le fais? Ouais, je vais voyager. Donc je voyage vers la mer étoilée, et donc j'augmente de 3 mon niveau de menace. Ensuite, est-ce que j'engage lui du coup? Je peux le défendre, mais je pourrais sans doute pas attaquer. Quoi qu'il y ait encore lui, j'attaque à 5.
Il défendra. Est-ce que c'est vraiment urgent? Ah bah de toute façon, j'ai pas le choix puisque je tiens pas le cap, donc il est à 20 en coup de menace. Donc j'ai pas à réfléchir, évidemment que je le prends. Donc voilà, lui je l'ai le prix et il vient avec un pirate. Et c'est le corsaire infiltré. Quand le corsaire infiltré attaque, attribue-lui une carte d'onde supplémentaire pour chaque ressource sur lui. D'accord. D'accord. Carte ombre. 36. 35. Et 16. Donc, Bérégon va défendre le pirate rusé. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2. J'attaque. Oui, lui, il fait rien après. Hein, donc, il attaque à 2, je défends à 4, donc j'ai pas de dégâts. Donc, je peux descendre de 1 mon niveau de menace. Je vais incliner le destrier. Je vais défausser une carte ombre. Je défausse celle-là, grâce au destrier. Lui, ensuite, il attaque à 3. Je vais défendre avec Bérégon, mais il attaque à 3. Je défends à 4, il se passe rien. Et enfin, lui, il va défendre contre le bateau. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 5, je défends à 5, c'est tout, c'est cool. Ah oui, j'ai oublié, comme je tenais pas le cap, la quête m'oblige à mettre 2 dégâts sur un de mes bateaux, puisque quand j'engage un bateau, si je tiens pas le cap, je mets 2 dégâts sur un de mes bateaux. Si je tenais le cap, je mettrais 2 dégâts sur lui. Voilà, maintenant je vais attaquer, donc je vais attaquer pour 3, 4, 5, lui, et je le tue. Voilà, alors lui c'est le plus pénible parce que il me pique des ressources à chaque tour. Donc là, maintenant, j'ai ça. Bon, ben voilà. Tour infini. Je suis à 33. Je redresse tout le monde. Je pioche une carte. Et j'ai des sous. 1, 2 et 3. Alors là, maintenant, il va falloir se débarrasser du bateau rapidement. Alors le premier allié que je joue me coûte 1 de moins, donc lui pour 1, je vais faire venir donc ses orles. Ok. Pour 1, je vais faire venir la voyageuse. Ah, à moins que je fasse ancien matome tout de suite, parce que là, faut que je pioche. Ouais, je vais faire ancien matome plutôt pour 1. Voilà. Parce qu'il faudra que je... faut vraiment que je pioche là quand même. Parce que j'ai pas de rouge encore, j'ai que du bleu. Et donc du coup. Donc navigation. Donc là j'ai déjà. Je suis déjà à pluie. J'ai déjà 2 cartes. Là, faut vraiment pas que je loupe ma navigation, je pense. Mais il n'y a pas beaucoup de roues qui sont sorties, si j'ai bien vu. Une. Bon. Il y en a 2 et 3. Donc il y a 3 roues sur les 11. Il en reste 8 là-dedans. Donc j'ai déjà 2. Je vais mettre le chasse-rêve, 3, 4. Allez, 4 cartes. 1, 2, cool. 3, 4. Zut, j'aurais pu ne pas engager le chasse-rêve. Mais enfin, je tiens le cap. Ensuite, quête. Alors là, ce serait bien, évidemment, d'explorer ça. J'ai besoin de 2. Là, il y a 3. Donc 3, 4, 5. Donc il me faut au minimum, je dirais, 6 ou 7. Je vais faire 3 pour Théoden. Théoden, ouais, c'est ça. 3. 4, 5. Et j'aimerais bien des attaquants aussi pour me débarrasser de lui. Allez, 5. Non, 5, ça suffira pas. 6, et je vais mettre une ressource sur lui, parce que lui, quand il s'engage en quête, il peut donner une ressource à quelqu'un qui est engagé en quête. Donc je suis qu'à 6, là. Hein. C'est pas beaucoup, ça. 3, 4, 5... 4, 5, 6, ouais. Bon, bah tant pis, on y va. Allez, 6. Ah, putain. Voyons, je les aurais tous eu, les... Aïe, lui, il est pas cool. Archerie 2. Ah, puis alors l'objectif qui est là, c'était lequel déjà? Ah ouais, c'est pour mettre 2, c'est pour mettre 2 sur un truc. Ah, c'est dommage que je l'explore pas. Il y a 5, moi j'ai 6, je gagne 1 sur le lieu. Dommage que je l'ai pas exploré.
Voyage, bah, je peux pas. Là, il y a archerie 2, là. Il va me faire suer son archerie 2, lui. Est-ce que je l'engagerai pas tout de suite? Bon, non, je peux pas tenir. 5, 7 et 5, 12. Ah oui, alors j'ai eu un dessus de tête, donc lui, il se redresse déjà. 12, je les ai pas, les 12 d'attaque. Hein. Donc on va le laisser là, tant pis. Du coup, combat, rencontre, je fais rien. Combat, il y a archerie 2. Je vais mettre 1 sur Seorl et je vais mettre 1 sur Narenelia. Narelenia, ouais. Ensuite, combat. Il y a lui. Et il y a lui. Alors, évidemment, Bérégon va défendre le pirate rusé. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, défend à 4. Donc, je peux baisser de 1. Je vais incliner le cheval pour qu'il se redresse et enlever une carte ombre supplémentaire. Du coup, lui, il attaque à 5. Et ben, je vais faire une attaque sans défense. 3, 3, 6, 7, 8. Merde, il manque 1 pour le tuer. Ah non, c'est bon. Ouais, je vais faire une attaque sans défense. Donc, il attaque à 5 et je mets 5 sur le chasseur. Du coup, c'est à moi d'attaquer. J'attaque avec Narelenia pour 3, Théoden pour 3, ça fait 6, 7-8 avec Seorl, 9 avec lui, et du coup, je le tue. Cool, comme ça, le cours d'après, je vais peut-être pouvoir faire ça. Tour 2 fini. Je suis à 33. Évidemment, le but, hein, vous avez compris, c'est que lui, il reste tout le temps avec moi. En plus, j'ai eu du bol parce que quand je l'ai tiré, j'avais pas d'attachement, donc il attaque qu'à 2. Ce qui fait que normalement, Bérégon va jamais prendre de dégâts contre lui. Donc, du coup, je pourrais toujours baisser mon niveau de menace grâce à Bérégon. Tac, une carte pour piocher, mais il va falloir. Ah, j'ai toujours pas de rouge, ça m'embête. Il n'y a pas de limite d'un par lieu, à la limite là. Attacher cette carte à un lieu. Quand le lieu attaché est exploré, le premier joueur pioche 3 cartes. Non, je vais peut-être. Non, d'abord, on fera après. Pour 1, je vais jouer la voyageuse. L'éleveuse de Westfold. Comme ça me permet de piocher, de trouver une monture parmi les 10 premières cartes. Alors, 2, 4, 6, 7. J'en suis à combien là? 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Bon, alors j'ai le choix entre le destrier de la marche ou destrier du rang. Je vais plutôt prendre le destrier de la marche. Ah, je peux pas le payer. Non, bah, je vais prendre le destrier du rang d'abord. Parce que lui, je peux le payer tout de suite. Et on va le mettre pour 1, on va le mettre sur Théoden. Donc il est restreint, mais pas lui, hein, parce que Nivacrin, quand il est sur Théoden, il n'est pas restreint. Et du coup, comme ça, Théoden, il pourra attaquer 2 fois. Alors maintenant, navigation. Donc navigation, là, je suis pas trop. Combien il y a de cartes qui sont sorties? Je compte à chaque fois, hein, parce que si les tests de navigation, c'est vraiment trop chiant. 1, 2, 3, 4. Il y a 4, 5, 6, 7 cartes navigation, 8 cartes navigation qui sont sorties. Il en reste donc 3. 3 là-dedans, autant dire que j'ai pas une chance d'en avoir. Si, je vais quand même engager un personnage. Je vais pas engager le chasse-rêve, je vais engager elle. Donc j'ai 3 cartes. 2 ici, une là. Une, deux, et merde. 3. Ouh! J'ai bien fait. Je tiens le cap. Maintenant, nous allons aller en quête. Donc là, il faut réussir la quête. Mais après, faudra absolument prendre lui. Et puis, j'aimerais bien explorer ça. Donc, il y a 5. Il me faut 6 minimum. Je vais engager le chasse-rêve, bien sûr. Ça fait 5. 3, 8. 9, 10. 10, ça devrait passer 10. Allez, 10. Attacher cette carte à un objectif navire. À chaque fois que l'objectif est incliné, infligez-lui 2 points de dégâts. Inclinez 3 personnages que vous contrôlez pour défausser. Ok. Je vais le mettre sur le chasse-rêve. Donc il y a 5. Moi j'ai dit que j'avais 10. Donc je gagne 5. 5 moins 1. Puisque ça c'est exploré, je gagne encore 4. 4. Tac. Et du coup, ça,
C'est bon, je vais piocher 3 cartes, c'est ça. Une, deux, oh putain, et trois. Oh là 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 là, il me faudrait des alliés. Donc ça, c'est exploré. Et du coup, j'ai ça. Ah bah c'est cool, je peux infliger 2 points de dégâts à un ennemi navire. Est-ce que vous le voyez là? Oui. La tour de la mouette, ça c'est bien ça. Parce que lui, je vais pouvoir m'en débarrasser du coup. Donc, rencontre, il n'y a pas. Combat, si, rencontre, si, bien sûr qu'il y a, puisque je vais prendre lui. Voilà. Donc, comme je tiens le cap, je lui mets 2 dégâts, déjà. Ça, c'est l'effet de la quête. Et puis, face combat, je vais tout de suite le faire et incliner la tour de la mouette pour lui refaire 2 dégâts. Tant qu'à faire. Allons-y. Par contre, il a toujours archerie 2. Donc je dois dispatcher 2 dégâts, et ben je vais encore les mettre sur Narenelia, qui est à 5. Ensuite, carte ombre ici, carte ombre là. Comme d'hab, on va défendre avec Bérégon, pas d'effet d'ombre. Je baisse de 1, j'incline le destrier, j'enlève cet effet ombre. Ah tiens, c'était l'autre objectif, pour que lui n'en ait plus, donc il attaque à 5. Est-ce que je prends le risque de faire le chasse-rêve? Est-ce que je peux le buter d'abord? 7 et 5, 12, mais il a déjà 4, il me faut 8. Ah oui, alors j'ai eu un suite de cette quête, donc Théoden peut se redresser. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'attaque avec Narenelia. 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 d'attaque avec lui. À la limite, c'est pas grave, si je... ouais, mais j'aurai encore un archerie 2. Qu'est-ce qui vaut mieux? Que je fasse 5 ici? Non, à mon avis, vaut mieux défendre. Tant pis si on le garde un tour de plus. Ouais, mais j'aimerais bien découvrir tout de suite ce truc-là. Donc non, on va tout de suite... tant pis, on va prendre 5. On va faire une attaque sans défense. On va prendre 5 sur le chasse-rêve. Tac. Ah oui, surtout qu'il a ça, lui, en plus. Et du coup, je vais attaquer. Et je vais buter celui-là. 3 et 3, 6... Ah oui, mais lui, il peut attaquer 2 fois. Ouais, ça sert à rien. 3 et 3, 6, 7, 8. 8 moins 5, je lui fais 3, ça suffit pas. 9, 10. 10 moins 5, je lui fais 5. Bah si, ça suffisait de lui faire 8. Alors attendez, si ça suffit de lui faire 8. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ah bah donc, non, je vais pas faire une attaque sans défense. Je vais... défendre avec lui, il attaque à 5, je défends à 5, il se passe rien, et du coup j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 moins 5, je lui fais 3, et comme il avait déjà 4, c'est bon. Comme quoi c'est que du calcul en fait. Du coup, feu d'alarme vient ici, est-ce que vous le voyez? Ouais. Et donc avec ça, je vais pouvoir acheter des bateaux. Lui, évidemment, je l'attaque pas, alors par contre, j'ai pas 3 persos pour enlever ça, mais bon, c'est pas très grave, le tour 3 est fini. 33. Donc là, je pense que j'ai bien joué. Hein. On verra la vidéo, mais j'ai pas fait d'erreur, je pense. Hein. J'ai fait une attaque avec défense ici, et j'avais bien les 8 d'attaque. J'avais pas besoin d'avoir 10 d'attaque. Je pioche une carte. C'est un bouclier, je m'en fiche. Je voudrais des alliés, moi. 1, 2 et 3. Alors, il n'y a pas de lieu, donc je peux pas attacher ancien matome. Ah, je vais par contre au lever du jour, ça c'est pas mal. Alors, avant que j'oublie, on verra après combien il nous reste. Je vais incliner, ah oui, ça, il se redresse aussi. Je vais incliner feu d'alarme pour payer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je paye 5 pour m'acheter un bateau. Voilà. Ensuite, pour 1... je vais jouer au lever du jour. Donc là, quand je défends et que j'ai pas de dégâts, je pourrais donner une ressource à Bérégon. Et pour 1, je vais jouer le bouclier gondorien. Alors là, il faut que je fasse gaffe au restreint. Lui, il est restreint. Lui, il l'est pas. Lui, il l'est. Donc c'est bon. Donc là, je peux plus mettre de restreint sur Bérégon. Et ma foi, destrier de la marche, je vais le mettre sur quelqu'un parce que, au moins là, ce tour-là, il servira pas, mais on va le mettre après. Je le mettrai sur Théodred
Parce que comme ça, à chaque fois, je pourrais payer un pour le redresser. À chaque fois qu'il partira en quête, ce sera mieux. Voilà. Alors, du coup, navigation. Bon, là, je crois que j'ai pas d'espoir d'avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de cartes navigation dans le deck de rencontre. Donc, ces deux-là, elles n'ont pas d'étoiles, c'est sûr. Elles n'ont pas de petites barres. Donc, il faudra que je remélange pour essayer d'en avoir au moins une. Mais là, il n'y a pas de bateau. À la limite, j'ai pas besoin d'avoir navigation. Tout, j'ai déjà tout ça. Ouais, j'engage personne. J'ai quand même deux cartes. Mais comme prévu, elles n'ont rien. Et je suis en phase quête. Alors là, est-ce que ça vaut le coup de passer tout de suite? Moi, je dis que j'ai bien envie d'attendre encore au moins un tour pour me préparer. Façon, tant que lui, il est là, je resterai à 33 de menaces. Donc, je suis pas pressé. Donc, quête, on va envoyer le chasse-rêve. Ah non, parce que je vais pas l'incliner, parce que sinon, avec voie d'eau. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais incliner trois personnages pour virer voie d'eau déjà. Je vais incliner lui, lui et lui. Voilà, et comme ça, en inclinant trois personnages, je peux défausser voie d'eau. Oui, mais attendez, faut pas le faire avant de remélanger parce que du coup, si je le défausse maintenant, je vais le remélanger et il va se retrouver là. Alors que si je fais la quête d'abord, je remélangerai sans voie d'eau et ensuite voie d'eau ira à la défausse. Donc stratégiquement, il vaut mieux le faire après. Bon. Donc du coup, je vais faire la quête maintenant. Alors la quête. Ouais, mais j'aimerais bien envoyer le chasse-rêve quand même pour la quête. Ça me ferait 5 de base. Donc lui, de toute façon, il y va 3. Lui, il va y aller aussi 4. Comme ça, je peux donner une ressource et je vais donner une ressource à lui. C'est toujours utile. Je tiens pas le cap, donc lui, il est K2. Allez, 3 et 3, 6, 7. 7, ça devrait passer. Allez, 7. Parce que je crois qu'au pire, la menace, c'est 4. Je crois que la carte, la pire, elle a 4 de menace. Donc 7. Au pire, il ne se passe rien. Ah putain, c'est le même que tout à l'heure. Donc il arrive dans la ZC, est-ce que si je le mets tout au bout, vous le voyez? Ouais. Donc c'est le même que tout à l'heure, c'est le navire de siège, donc il y a 5. Moi j'ai dit que j'avais 3 et 3, 6, 7, hein, c'est ça? 3 et 3, 6, 7. 7 moins 5, je gagne 2. Mais fin de la phase de quête, le navire de siège va protéger un objectif. Bon, de toute façon, normalement, je devrais pouvoir le buter. Alors, quel objectif je vais lui faire protéger? Celui-là, parce que de toute façon, les 5 ressources, je ne les ai pas encore pour acheter le deuxième bateau, donc je vais prendre celui-là. Fin de la phase de quête, voilà. Donc, engagement, je vais prendre celui-là. Combat, il a archerie 2. Donc, je dois dispatcher 2 dégâts. Je vais mettre les deux sur Théodren. Combat, carte ombre à lui. Carte ombre à lui. Évidemment, comme d'habitude, défense avec Bérégon. Alors cette fois-ci, il défend à 6, donc là vraiment il craint rien. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, tout va bien. Je vais pouvoir baisser de 1 mon niveau de menace. J'incline le destrier pour enlever un effet ombre. Et en plus, je vais pouvoir incliner au lever du jour, puisque je n'ai pas eu de dégâts, pour qu'il ait une ressource. Voilà. Lui, il attaque à 5. Je peux défendre avec lui. Et après. Ah oui, alors j'ai eu un dessus de cette quête, donc lui il s'est redressé déjà. Lui, il attaque à 5, je peux défendre avec lui. Ouais, je vais faire ça. Donc, il se prend. Il y défend à 2 parce que je tiens pas le cap. Donc, il se prend 3. Donc, voilà, j'ai fait toutes les défenses. Maintenant, puis-je buter lui tout de suite? 5 et 7, 12. Ah oui, je tiens pas le cap. Donc, zut, il y a un de mes bateaux qui doit se prendre 2. Aïe. On va le mettre sur Narenelia. Ça, c'est l'effet de la quête. Mais j'ai toujours la tour de la mouette que j'incline. Pour lui faire 2. Donc il me faut plus que 10. Est-ce que j'ai 10 en attaque? 3, 4, 5, 6, 6 et 4, 10. Mais il faut incliner lui. Bah tant pis, on va faire ça.
Donc, combat. 4, mais du coup, à cause de voie d'eau, il se prend 2. 4, 5, 5 et 3, 8, 9, 10. 10 moins 5, je gagne 5. Et comme il a 2, il meurt. Ouf. Comme quoi, le 1 de Bérégon, mine de rien, ça fait deux fois qu'il me sauve la mise, là, quand même. Théoden peut se redresser en inclinant le destrier du Rohan. Et tant qu'à faire, je vais quand même attaquer à 3. Non, 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 je n'attaque pas à 3, je ne fais rien du tout. Parce que du coup, je vais en profiter pour incliner 3 personnages. Donc, la voyageuse, l'éleveuse et Théoden pour défausser voie d'eau. Voilà. J'aurais dû le faire avant, peut-être. Et non, parce que Théoden, il peut se redresser que s'il a détruit un ennemi grâce au destrier. Donc, du coup, je pouvais pas le faire avant, puisque. Voilà. Sinon, j'aurais pas pu redresser Théoden. Oh, voilà. Donc là, je pense que j'ai pas trop mal joué. Donc, tour 4 fini. Je suis toujours à 33, du coup. Je redresse tout le monde. Y compris la tour de la mouette. J'ai des ressources. 1, 2, 3. Et une carte. Ah, c'est Gandalf. Le premier allié que je joue coûte 1 de moins, donc pour 3. Je vais faire venir le prince Imrahil. Gandalf, du coup, on verra plus tard. Et ah mince, pour 1, j'aurais bien joué le destrier aussi, mais on verra plus tard. Tac. Alors, test de navigation. Alors là, je suis sur pluie. J'aimerais quand même ne pas trop foirer mon coup. Il n'y a qu'un jeton, il y a qu'une barrière qui est sortie, mais il y en a trois là. Donc ça veut dire que, il y en a 4. 4, il en reste 7 là-dedans. C'est beaucoup 7. Je pense que je vais pouvoir engager le chasse-rêve parce qu'à la limite la quête, ça va aller. Donc 2 persos, 4 persos, enfin 4 cartes avec lui. Allez, 5 pour assurer. 5 pour assurer. 5. Une. Donc j'en ai 3, j'ai déjà deux petits. 3, 3, 4, 5. Oh bah punaise. 4 petites barres. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup pour la suite. Mais du coup, je retrouve le cap puisque je tourne la carte. Donc on va pas passer la quête encore. On va essayer d'attendre un peu. On va engager Théoden pour 3. Quoiqu'à la limite, on pourrait passer là peut-être. 4 pour donner une ressource à lui. Donc ça fait 3, j'ai 4, 5, 6, et puis ça va suffire. Mais du coup, lui, il a plein aussi. Allez, 5, 6. Eh ben, punaise, j'ai vraiment pas de bol, c'est toujours le même. Celui qui a archerie, là. Puis évidemment, j'ai 3 objectifs, mais j'ai pas celui qui permet d'enlever l'archerie. Ça fait chier. C'est pas grave. 3, 4, 5. Moi, j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 6. Donc, je gagne 1. Je suis à 9 jetons. J'ai eu ensuite cette quête. Théoden se redresse grâce à Nivacrin. Voyage, je peux pas. Engagement, je vais engager lui tout de suite. Du coup, comme je tiens le cap cette fois-ci, je peux lui faire 2 dégâts. Paume. Voilà. J'ai archerie 2 à faire. On va le faire sur le prince Imrahil. Voilà. Carte ombre. Carte ombre, ça va faire comme tout à l'heure. Je vais incliner tout de suite la tour de la mouette pour refaire 2 dégâts sur le navire de siège. Voilà. J'incline Bérégon pour défendre contre lui. Il y a un effet ombre. Si votre cap actuel est sur le pire réglage, non. Donc il attaque à 2, je défends à 4. Je suis à 32. J'incline lui pour enlever ça. Et je peux incliner le lever du jour pour gagner 1. Lui, il attaque à 5. Je vais défendre avec Narelenia qui défend à 5, donc tout va bien. Et je vais attaquer. Lui, il attaque à 4 puisque je tiens le cap, donc il gagne 2. Donc j'attaque à 4. 4 et 3, ça fait 7. 7
7, 7, 7, 7, 7, 8, 9. 9 moins 5, je lui fais 4. Il est mort. Du coup, comme j'ai détruit un ennemi, je peux incliner le destrier pour redresser Théoden. Et du coup, Théoden et le prince Imrahil vont attaquer à 5 sur lui. Il a 2 de défense. Je lui fais 3 dégâts. Alors évidemment, le but, c'est de le garder. Mais en lui faisant ces 3 dégâts, si vraiment j'ai trop de pirates ou s'il me gêne un moment, je sais que je peux le buter juste avec Théoden. Donc ça me, voilà, c'est histoire d'assurer les prochains tours. Mais sinon, il va rester comme ça le temps. Alors je suis au tour, j'ai fini le tour 5, je suis de nouveau à 33. Je redresse tout le monde. Tac. J'ai une carte. Et j'ai des sous. Alors, pour 1, on va jouer tout de suite le destrier de la marche sur Théodred. Ce qui fait que, quand je l'engage dans une quête, je peux défoncer une ressource pour le redresser. Et est-ce que je fais venir Gandalf? Pas ce tour. Pas ce tour-là, peut-être. Ouais, si, allez, on va faire venir Gandalf. Sinon, j'ai pas d'autres cartes à jouer, alors... Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est le premier allié. Donc, pour 4 seulement, c'est le premier allié que je joue à ce tour-là. Je fais venir Gandalf. On verra combien de temps on le garde. Mais, comme il ne s'incline pas pour la quête, c'est toujours sympa quand même. Puis là, on va essayer de passer. De toute façon, à la limite, je vais pas redresser ça. Non, je vais pas redresser ça. Ah oui, non. Je vais pas faire venir Gandalf. Je vais plutôt faire venir le deuxième bateau. Gandalf, il viendra plus tard. Donc, j'incline ça et je paye 5. Donc là, j'ai payé 4. Je paye la cinquième. Et je fais venir le deuxième bateau. Objectif, ce sera mieux. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et Gandalf, on fera venir le tour d'après. Si on a assez de sous. Test de navigation. J'aimerais ne pas le rater. Mais j'ai déjà 2. Et je crois que j'ai pas vu passer de beaucoup de... 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 3. 3 là-dedans. Ouais, autrement dit... Bon, à la limite, est-ce que c'est grave si je rate ce test? Ouais, quand même. Parce que eux, ils sont pas boostés si je tiens pas le cap. Allez, je vais engager 4 persos, 5 persos comme tout à l'heure. 5, avec les 2 qui sont là. 1, 2, oh là là là, 3, 4, 5. Donc j'en ai 2. Ça veut dire qu'il n'en reste qu'une dans ce qui reste là. Quête. Donc là on va essayer de passer, mais on n'a pas besoin de beaucoup de personnages pour passer, je pense. Eux ils sont à 4, donc je vais engager lui pour 4. 4 et 3, ça fait 7. 8. Et je donne une ressource à lui. Et j'incline le petit cheval pour le redresser, mais il est quand même engagé dans quête. Donc j'ai payé la... j'ai donné la ressource à Théodred. J'incline le cheval et je paye une ressource pour redresser Théodred. Voilà. Donc en fait, grâce à son effet, Théodred, il peut aller en quête gratuitement, quoi. Grâce au cheval et à son effet. Donc je suis à 4 et 3, 7, 8... Allez, on va assurer avec la voyageuse, mais 9-10, je pense que j'en aurais pas besoin. 9-10 pour la quête. Ouais, non, c'est ridicule. 8, ça va suffire l'argent. Allez, 8. Ah, c'est un croiseur léger. Abordage 2. Aïe, celui-là. Celui-là, il va nous faire suer. Ouais, vous le voyez. 4 et 3, 7. Vous voyez, c'est ce que je disais. La carte la plus haute en menace, c'est 4. C'est 4 et c'est celle-là. Donc 4 et 3, 7. Comme j'ai 8. 4 et 3, 7. 8. Je gagne 1 et j'ai mis des 10 jetons. J'ai eu un suite de cette quête. Théoden se redresse. Et du coup, ça, c'est fait. Alors. Non, c'est pas du tout ça. C'est ça. Donc ça, c'est passé. Et on arrive ici. Une fois révélé, cherchez un ennemi navire dans le deck de rencontre, placez-le dans la zone de cheminement, mélangez les rencontres pour chaque objectif non protégé de la zone de cheminement. Quoi? Ah oui. Attachez à cet objectif un ennemi navire non unique qui est dans la zone de cheminement, d'accord. Donc ça veut dire que les navires, ils vont venir protéger les trucs. Alors, est-ce qu'il reste des navires là-dedans? Il reste lui. Ah, le franc-tireur, il est bien.
Ah bah, il reste deux francs tireurs. Je vais prendre le franc tireur parce que le franc tireur, si je lâche, je peux l'acheter. Ah, il ne faut pas que j'achète ce tour-là. Ouais, bon, on verra. Et du coup, je peux mélanger ça. Et je sais à peu près ce qu'il y a. Donc maintenant, ils vont venir protéger. Alors, lui qui soit protégé, je m'en fiche. Puisque j'ai acheté les deux navires. Et on va protéger lui. Voilà. Comme ça, j'ai toujours la tour de la mouette pour mettre deux dégâts à quelqu'un. Alors, engagement. Je tiens le cap, mais là, il n'y a plus les coups des deux dégâts, donc on s'en fout. Donc, je vais prendre d'abord lui, je pense. Non, d'abord lui, parce qu'il va me faire suer plus longtemps, lui. Ouais. Bah, de toute façon, je vais prendre les deux, du coup. Ah oui, il est à abordage 2. Ouais, on verra plus tard, lui. 37, je suis à 30. Ouais, lui, on verra plus tard. Je vais prendre lui d'abord. Il a abordage 1, il vient avec un petit pirate. C'est un corsaire, pirate, puis c'est un pillard d'Umbar. Après avoir résolu son attaque contre vous, déplace. Alors lui, il pique des ressources, c'est vrai. Tac. Donc lui. Alors il y a archerie. Ah non, il n'y a pas archerie, donc c'est bon. Donc c'est bon. Phase combat, je vais tout de suite. Je vais mettre les effets ombres d'abord. Alors, 36 pour lui. 28 pour lui. Et 24 pour lui. Donc lui, il pique des ressources, là. Lui, il est chiant. Je vais tout de suite incliner la tour de la mouette pour faire 2 dégâts sur le franc tireur corsaire, il n'y a pas de raison. Voilà. Ensuite, évidemment, Bérégon va défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 2 et je fais mon petit truc habituel. Tac, 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 tac. Et grâce au destrier, je peux enlever une carte ombre. Je vais enlever une carte ombre à lui. Lui, il attaque à 3. Je peux redéfendre avec Bérégon. Donc, il ne se passe rien. Mais quand il m'attaque, il me pique une ressource. Donc, je vais piquer la ressource que je viens de gagner. Voilà. Et alors, maintenant, il y a lui. Alors, lui, il attaque à 4. Je vais défendre avec Narenelia. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Il défend à 5. Tout va bien. Ensuite, je vais attaquer. Alors là, avec 4 et 3, 7. 7 moins 4. Non, ça suffit pour merde. Bon, alors, on va pas faire ça tout de suite. On va d'abord faire 3. Merde, j'ai pas réussi à buter tout le monde, là. Flûte. Ah si, il y a lui, j'avais pas vu. 3, 4, 5, 6, 7. Je bute le pillard d'Umbar, puisqu'il a besoin de 6, il défend à 2. Comme Théoden vient de massacrer un ennemi, je peux incliner le destrier pour qu'il se redresse. Et avec 4 et 3, 7, 8, 9, 9 moins 4, je lui fais 5, et il est mort. Oui, mais alors du coup, quand je le détruis, je peux enlever... des personnages de 3 volontés pour prendre son contrôle. Alors, je pourrais enlever ces deux là, mais non, je le fais pas, tant pis, je le perds, c'est pas grave. Et nous en sommes là. Bon, alors le coup d'après, je vais me prendre 2 autres pirates. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de buter lui? Je peux pas, de toute façon. Non, je peux pas. Donc tour 6 fini, je suis encore à 33, je redresse tout le monde. Du coup, j'ai récupéré l'objectif, surtout. C'est ça qui est important. Tac. Celle-ci, elle se redresse aussi. Ça, c'est fait. J'ai une carte. Ah, enfin, un allié tactique. Bon, en même temps, j'ai plus de ressources tactiques, mais... Bon, bah, je peux pas jouer grand-chose, du coup... Je peux pas faire venir Gandalf. Ah si, je peux faire venir Gandalf. Eh ben, ne nous privons pas. 1, 2, 3, 4, puisque c'est mon premier allié. Je peux faire venir Gandalf. C'est peut-être... Ouais, si, c'est ça, je vais faire ça. Voilà. Et c'est tout. Alors là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est rocher. Ah oui, alors tant qu'il y a un objectif protégé, je peux pas passer ça. Test de navigation. Alors, si j'ai bien vu, il n'y a pas de navigation qui sont passées, là. Ah si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Donc normalement, celle-là, elle a une barre. Ça veut dire que juste avec ça, je suis sûr de le passer. Donc on va voir si j'ai bien compté. Yes, comme prévu. Mais du coup, j'ai une deuxième carte. Donc là, je fais mon test de navigation avec les deux cartes de la tour de la mer. Voilà, que j'ai déprotégée tout à l'heure. Donc là, j'ai déjà ma petite barre. Deuxième carte. Pas de barre, mais je m'en fiche. Je tiens le cap. Quête. On va essayer d'aller vite en quête. De toute façon, je peux pas passer tant que j'ai pas buté lui. Donc, Gandalf, il y va gratos. Donc, ça me fait déjà 4. Je vais envoyer le chasse-rêve avec 5. Comme je tiens le cap, eux, ils sont à 4. Ça fait 4 et 4, 8. 8 et 5, ça fait déjà 13. 13 et 3. 13 et 3. C'est marrant, ça. 13 et 3, ça fait 16, si j'ai bien compté. 4 et 3, 7. 7 et 4, 11. 11 et 5, 16. C'est ça, 16. Ah oui, 16. 17. Donc, je donne une ressource à lui, cette fois-ci. Et je paye pour le redresser. Alors je donne une ressource à lui parce que comme j'ai un allié tactique, le tour d'après avec cette ressource, je pourrais le payer. Donc je suis à 17 pour la quête. Un lieu. Si vous ne tenez pas le cap, cet objectif gagne à deux menaces, mais je tiens le cap, donc c'est bon. Donc il y a... est-ce que vous le voyez là du coup là? Ouais, juste, juste. 3 et 3, 6 et 4, 10. Moi j'ai 17, donc je gagne 7. 4, 5, 6, 7. Voilà. Incliner un objectif navire pour voyager vers ce lieu. Ouais, ben on va le faire. Je vais incliner. Je vais incliner lui. Je voyage. Ensuite, je vais engager lui. Donc, il y a 37. Ah oui, l'abordage 2. Alors, donc, il y a deux vilains pirates. Premier pirate, c'est le même que tout à l'heure. Après avoir résolu son attaque, il me pique une ressource. Deuxième pirate, oh, c'est une petite chèvre. Ça ira. Vous voyez, lui, là? Je vais mettre là. Ça va. Ah oui, mais chaque ennemi pire révélé du deck corsaire arrive avec une ressource. Donc lui, il a déjà une ressource. Donc il attaque à 4 déjà. Effet ombre. 37. 36. 24. 28. Je peux déjà incliner la tour de la mouette pour mettre 2 sur lui. Alors lui, il attaque à 6. Donc Bérégon défend contre lui qui attaque à 4. Il n'y a pas d'effet d'ombre. 4, il défend à 6, je fais mon petit truc habituel, tac, tac, et j'enlève une carte ombre à lui, et j'incline au lever du jour pour avoir 1, Bérégon peut défendre une deuxième fois, et je vais défendre contre lui, pas d'effet d'ombre, il attaque à 2, ça va, et j'ai une troisième défense, alors le bateau, il va être défendu contre Narenelia. Avec Narenelia, et Narenelia se prend 1, puisqu'il attaque à 6, je défends à 5. Et il me reste un pirate à défendre, je vais défendre. Ah, c'est vrai que j'ai Gandalf aussi. Avec le prince Imaril, ça me... Ça m'embête de défendre avec le prince Imaril, quand même. Ok, oui, oh, tant pis, on va prendre le risque. C'est bête, j'aurais dû enlever son effet ombre à lui, en fait, plutôt que d'enlever l'effet ombre du bateau. J'avais pas réfléchi. Ah oui, j'ai eu un suite de cette quête, au fait. Je peux redresser Théoden. À moins que je défende avec Théoden, à la limite. Lui, il faut que je m'en débarrasse. Il faudrait que je me débarrasse de deux pirates. Je sais pas si je vais pouvoir, quand même. Donc, vaut mieux que je garde une attaque, quand même. 4 et 3, 7. Ouais. Et puis, si possible, du bateau. Mais le bateau, je l'aurai pas, je pense. On va prendre le risque, tant pis. Oh, ça fait chier, ça ferait chier de le perdre quand même. Pas d'effet d'ombre, ouf. Il attaque à 2, je défends à 2. Alors lui, il faut s'en débarrasser en priorité parce que sinon, le 4 de menace, il va compter dans la ZC à cause de lui. Donc il faut vraiment que je me débarrasse de lui en priorité. Il faut 5 pour le buter.
Je vais faire 3, 4, 5. Et je le bute. Comme il a détruit un ennemi, je peux incliner le destrier du roi pour redresser Théoden. Maintenant, on va se débarrasser. Alors, j'ai quoi en attaque? J'ai 3, 4 et 3, 7, 8, 9. J'ai 9 d'attaque. 9 moins 5, ça fait 4. Ça suffit pas pour le buter de toute façon. Donc je vais faire 3. Ah, ça me fait suer de gâcher Gandalf pour ça, mais j'ai pas le choix. 4 et 3, 7, et je me débarrasse du pillard. Tiens, d'ailleurs, le pillard, il m'a piqué une ressource tout à l'heure, normalement. J'ai piqué une ressource à lui. Je sais pas si je l'avais déjà, je m'en rappelle plus. Mais voilà. Si je l'avais déjà, parce que je l'ai eu quand j'ai défendu. Donc, et lui, il me pique une ressource, normalement. Donc, 4 et 3, 7. Et je bute. Mais du coup, mon Seor, il sert à rien. Tant pis. Donc, tour 7 fini. Alors, je monte à 33. Mais comme j'ai envie de garder Gandalf, je peux augmenter de 2 mon niveau de menace. Donc, je suis à 35. Pour qu'il reste avec moi le tour d'après. Je redresse tout le monde. Tac. Je redresse cette carte aussi. J'ai une carte. Et j'ai des sous. 1, 2 et 3. On va essayer d'aller vite là peut-être. Alors je vais faire venir un allié bien sûr. Je vais faire venir Grimbolt. Quoique lui il attaque pas mal. J'ai besoin plutôt d'attaque. Hein. Ouais non, je vais faire venir Grimbolt. Pour 2, puisque mon premier allié coûte 1 de moins. Je fais venir Grimbolt. Voilà. Et c'est tout. Ah si, je peux faire ancien matome avec 1 sur la côte des Amphalas parce que je vais vraiment avoir besoin de piocher. Test de navigation. Alors, comme d'habitude, mon petit comptage. Il y a 2 cartes ici, plus les 3 qui sont là. Plus celle-ci, donc ça me fait 6. Il en reste 5. 5 là-dedans, c'est pas gagné quand même. 5 là-dedans. Alors j'ai déjà 2 cartes grâce à la tour de la mer. On va prendre une carte de plus, ça fait 3 cartes. On va prendre... Allez, 2 cartes de plus, ça me fait 5 cartes. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, et merde. Et 5, ouh, la dernière. J'ai bien fait. Ensuite, on va partir en quête. Donc là, j'aimerais bien au moins passer ça. Il y a 3 et 3, il me faut au moins 6. Mais Gandalf m'assure déjà 4. 4 et 4, ça fait 8. 8 et 3, ça me fait 11. 12, mais je paye pour... le redresser, je suis donc à 12. 3, 4, 4, 8, 8 et 4, 12, c'est ça. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Oh bah merde, c'est l'autre de tout à l'heure encore. Punaise. Chier ces bateaux là, con. Bon, c'est surtout l'archerie 2 qui m'embête là. Bon, je peux le mettre sur Gandalf, c'est pas très grave. Alors j'ai dit que j'avais combien? 16, hein, si j'ai bien compté. Donc 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, j'ai 16. 16 moins 5. 16 moins 5, ça me fait 11. 11 moins 3. Ça me fait encore 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors du coup, est-ce que j'ai passé ça? Est-ce que j'ai les 16 jetons? Non, il me manque un jeton. De toute façon, je ne peux pas le passer tant que j'ai pas tous les objectifs déprotégés. Donc. Mais j'ai que 15 jetons. Il m'en reste un à faire. Lui, en fin de phase quête, il vient protéger un objectif. On va protéger la tour de la mer. Et de toute façon, je vais l'engager pour essayer de le buter. Donc, phase rencontre, je l'engage. Il a quand même archerie 2. Quoique... Est-ce que je l'engage en fait? Ouais. Les archeries 2, je vais les mettre sur Gandalf. Et carte ombre. 46.
37 et 36. Ah oui, j'ai pas fait ça. Je peux piocher 3 cartes. Une, deux. Ah, c'est des alliés. 3, je vois. Ah oui, j'ai eu un suite de cette quête. Je peux redresser Théoden. Donc tout va bien. Alors maintenant, il faut faire les défenses. Alors comme d'hab, on va faire la défense avec Bérégon qui va défendre contre lui. Ah, il y a un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1. Donc il attaque à 3. Bérégon défend à 4. Et je fais mon truc habituel. Je suis à 34. J'incline au lever du jour. Et j'incline le destrier pour virer une carte ombre. Et je vais virer une carte ombre à lui. Ok. Lui, il attaque à 6. Je vais défendre avec Narenelia, qui se prend donc 1. Lui, il attaque à 5. Est-ce que j'ai assez pour le tuer, lui, 7? Parce que c'est lui qui est pénible. 12, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est bon. Donc, je vais pouvoir défendre avec le navire de Dame Machin, qui défend à 4, puisque je tiens le cap. Si le personnage défenseur est un navire, attachez-lui voie d'eau. Merde. Ça, c'est pas cool. Tac. Il attaque à 5, il défend à 4, il se prend 1. Ensuite, je vais attaquer. Alors, la priorité, c'est celui qui a l'archerie, là. On va attaquer à 3, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je bute le navire de siège. Pam. Donc, j'ai récupéré l'objectif tour de la mer, ce qui était l'urgence. Je suis toujours en phase combat. Je peux incliner la tour de la mouette pour faire 2 dégâts sur le croiseur léger. Voilà. Je peux redresser Théoden qui vient de détruire un ennemi. Donc il attaque à 3. Mais lui tout seul, il peut rien faire contre lui. Ah mais oui, mais il y a encore le prince Ima. Ouais, mais à 2, ils attaquent à 5. Et il défend à 5. J'oublie tout le temps, lui. Pourquoi je le mets là, lui? C'est fou, ça. Bon. C'est pas grave, on reste comme ça. Tour 7 fini, tour 8 fini. Je reviens à 35. Je vais garder Gandalf un tour de plus. Donc je me mets à 37. Je redresse tout le monde. Tac. Je pioche une carte. C'est encore un allié. Et j'ai des sous-sous. Alors maintenant, il faut vraiment que je bute lui pour avoir l'objectif. Là, il me manque un jeton, donc ça va aller. Alors, mon premier allié coûte un de moins. Je pourrais faire venir lui, du coup. Mais j'ai plutôt envie de faire venir des... Ah bah lui, il est pas mal, par exemple. Tiens. Hop, donc avec un de moins, donc deux au lieu de trois, je fais venir le capitaine de Lignir. Que je mets ici. Alors lui, quand je l'ai payé avec un seul héros, ce qui est le cas, eh ben, le tour où il arrive, il ne s'engage pas pour aller dans la quête, et le héros que j'ai incliné non plus. Donc je peux très bien incliner, je peux très bien envoyer Bérégon dans la quête sans qu'il s'incline ce tour-là, grâce au capitaine. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que du coup, je vais pouvoir donner la ressource de Théodred à Bérégon, parce que j'ai beaucoup de cartes... j'ai beaucoup de cartes énergie à jouer. Donc, voilà... Il ne faudra pas oublier. Test de navigation. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, donc il m'en reste 2. Sur toutes ces cartes, 2, 4, 6 cartes. Ça devrait être jouable. Donc il faudra envoyer au moins... il en reste 2 sur 6 cartes. Il faudra au moins 4 personnages, quoi. Donc je vais engager. Donc j'ai déjà les deux qui sont là. 3 et 4. Allez, on va espérer. Une. Oh bah c'était la première. 2, 3 et 4. Donc c'est bon, je tiens le cap. Quête. Il n'y a que 3 et j'ai que 1 à faire. De toute façon, on passera à la quête suivante quand j'aurai passé ça. Donc on va envoyer Gandalf évidemment pour 4. Lui pour 2 sans s'incliner, puisque c'est son pouvoir d'arriver. Lui pour 1 sans pour 0 pour sans s'incliner, mais c'est important qu'il aille dans la quête. Donc j'ai déjà 4, 5, 6 sans incliner personne. 7, 8, 9,
10 et je donne la ressource à Bérégon qui est en quête. Et je peux payer 1 pour le redresser. Donc je suis à 10. 4, et 3, 7, 8, 9, 0, 10. Donc je suis à 10. C'est la mer étoilée. Il y a 3 et 3, 6. Moi, alors je sais pas quand est-ce que ça a coupé. Donc lui d'attaque à 6. Je défends avec lui qui défend à 4. Puisque je tiens le cap. Et donc il se prend 2 de dégâts. Mais c'est pas grave. Il est bon quand même. Et maintenant c'est à moi d'attaquer. Bah évidemment, on va achever le croiseur léger. J'attaque à 4 et... Ah oui, j'ai oublié de redresser Théoden puisque j'ai eu un suite de cette quête. 4 et 3, 7. 7 moins 5, je lui fais 2. Ce qui suffit largement. Pim. Et j'ai récupéré feu d'alarme. Mais du coup, j'ai tous mes objectifs de déprotéger. Et comme j'ai les 16 jetons, eh ben, je passe immédiatement à la phase 3. Tac. Enfoncer la flotte. Une fois révélé, les joueurs font des tests d'engagement au combat contre chaque ennemi dans la zone de cheminement. Il n'y a que lui. Donc lui, bah, il m'engage en fait. Hein. Du coup, il y a abordage 1. Et c'est le petit con là qui va me rajouter son 3 de menace. Le coût d'engagement au combat est diminué de 1 machin. Le coût d'engagement au combat du navire pirate est diminué de 50, mais de toute façon il est déjà là. Enfoncer la flotte à 5 points de quête pour chaque ennemi navire en jeu. Donc elle a 10 pour l'instant. Voilà. Donc là on va essayer de rusher en fait. Hein. Parce que là du coup j'ai fini la phase combat. Donc ça veut dire que... Alors il y a toujours elle devant par contre. Ça veut dire que là... Voilà, à la fin de la phase de rencontre, machin, mais là j'ai fini la phase combat, donc lui pour l'instant il m'a rien fait. Ça c'est plutôt cool parce que du coup je vais essayer de rusher les. Je vais essayer de rusher, il n'y a rien dans la ZC. S'il y a 3 dans la ZC parce que lui, à cause de lui, son 3 de menace il compte. Faut pas que j'oublie. Mais a priori les 10, 12, je peux les faire. Donc, tour 9 fini. Je vais augmenter de 1 mon niveau de menace et je vais garder Gandalf. Donc je suis à 39. Je monte de 2 de plus. Je redresse tout le monde. Tac, je pioche une carte. Je redresse ça aussi. Ah bah c'est l'intendant du Gondor. Il serait temps qu'il arrive. 1, 2 et 3. Alors l'intendant du Gondor, bah, je peux pas le jouer. Par contre, je peux faire venir... Et Homer, il me faut des gens avec de la volonté puisque je vais essayer de passer... Alors le premier allié coûte 1 de moins. Donc pour 2 tactiques, je vais faire venir Gutlaf. Ah non, il coûte que... Le coût pour jouer Gutlaf est réduit de 1 s'il y a au moins un héros Rohan. Donc en fait il me coûte 2 et avec Narenelia il me coûte qu'un. Donc pour 1 seulement, je fais venir Gutlaf. Pour 3, je vais faire venir Éomer. Je ne sais plus où le mettre. Là, peut-être. Est-ce que vous voyez, là? Ouais, vous le voyez. Voilà. Ça me fait pas mal de... Ça me fait pas mal de trucs, ça. Alors, test de navigation. Puisqu'il y a encore un test de navigation, là. Oui. Donc, je suis obligé de... Alors là, le test de navigation, faut pas que je l'échoue. Pourquoi faut pas que je l'échoue d'ailleurs? Non, on s'en fout du test de navigation. Ah bah oui, je m'en fiche du test de navigation. Bon bah du coup, on va engager personne pour le test de navigation. Parce que moi, je veux rusher la quête après, hein, puis ce sera fini. Hein. Et puis voilà. Donc test de navigation, j'ai juste les deux cartes de la tour de la mouette. Une, deux. Bon, ah oui, si, je sais pourquoi je voulais le test de navigation, parce que eux, j'ai plus leur bonus du coup. Ils sont qu'à 2 et 2. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai échoué le test de navigation. Maintenant, je vais partir en quête. Bah là, je vais engager tout le monde. Ça va pas être dur. Hein. De toute façon, il me faut 5 et 5, il me faut 10, 12. S'il y a un autre navire, il me faudra 15. Mais je pense que je les ai largement. Alors c'est parti. 5.
6, 7 du coup, puisqu'il n'y a pas le bonus. 8, 9, 10, 11. Et je lui mets 2 à cause de voie d'eau. 11. 11 et 3, je suis à 14. 14 et 3, je suis à 17. 17 et 4, sans qu'il s'incline, je suis déjà à 21. 22, 23. 24. 25. 26, 27. Tiens, j'ai plus de petits dadas. 27, 27, 27, 27. 28, 29. 30, 31. 32. Allez, 32. Et je peux même redresser pour 1 Théodred au cas où, mais je suis à 32. Voilà, c'est impossible que je passe pas. Ah, la tour du héron, qui est protégée par le navire de siège. Tac. Alors, du coup, est-ce que c'est bon, là, vous voyez tout? Ouais. Ouais, hein. Ouais. Donc, je suis à 32. Lui, il compte à cause de lui, donc il y a 3, 4, 5 dans la ZC. Donc, je gagne 27. 27 moins 2, je gagne 25. Or, il faut 5 plus 5 plus 5, il me faut 15. Et donc, c'est passé. Ah bah, j'ai même pas attaqué ça. Et ben voilà, c'est passé. Si les joueurs passent cette étape, ou si le navire des pirates est dans la ville de Guerin, les joueurs ont enfoncé la flotte des corsaires et ont gagné la partie. Ah bah, je suis content. Je suis content. Alors, c'est vrai, c'est en mode facile, ok. N'empêche qu'en mode facile ou pas, bah, on s'amuse. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est vraiment d'essayer de passer avec des decks rigolos, ou en tout cas, pas forcément hyper performants, mais que j'aime bien. Et ce deck, je l'aime bien. Même s'il est à la base plutôt un deck de solo, c'est-à-dire qu'il est plutôt un deck pour renforcer un autre deck. Mais en solo, finalement, il passe bien. Alors, ce qui est génial avec ce deck, bah, évidemment, c'est Bérégon. Parce que bah, le fait que, en fait, je monte pas la menace, quoi. Dès que j'ai un ennemi, et là, j'en avais un dès le début, alors c'est un coup de bol. Mais sinon, de toute façon, dans ce scénar, quand on prend le premier bateau, là, le navire de reconnaissance, il vient avec un pirate. Donc, en général, ce que je fais, c'est que j'engage le bateau. Et le pirate qui vient, eh ben, je fais comme là, hein, je le garde toute la partie pour pouvoir, en fait, avec Bérégon, gérer... Alors évidemment, il ne faut pas que Bérégon se prenne de dégâts, mais il a 4 de défense. Dans ce scénario, il n'y a pas trop d'effets d'ombre qui rajoutent de l'attaque. Il y en a quelques-uns qui rajoutent 2 d'attaque. Mais du coup, selon le pirate, ça passe. Et avec, une fois que j'ai le bouclier, normalement, il n'y a aucune chance qu'un ennemi me fasse 6. Ce n'est pas possible. Donc Bérégon se prend pas de dégâts. Et du coup, bah, je suis sûr de pouvoir baisser ma menace d'un à chaque tour. Ce qui fait aussi que j'ai mis Gandalf dans le deck. Parce que du coup, je peux quand même gérer Gandalf quand il vient. Je peux le garder 3-4 tours. Parce que je sais qu'avec Bérégon, de toute façon, je vais stabiliser la menace. En dehors de ça, c'est pas un deck très performant. Parce que les alliés coûtent cher. Et du coup, j'ai pas beaucoup de ressources. Alors, j'ai un tendant du Gondor. Alors, quand un tendant du Gondor vient dès le début de la partie, en général, je le mets sur Bérégon parce que j'ai beaucoup plus de cartes énergie que de cartes ailleurs. Donc, les cartes énergie, elles arrivent assez vite. Surtout qu'il y a au lever du jour aussi qui donne des ressources. Mais les autres cartes, c'est vrai que j'ai du mal à les faire venir en général. Alors, c'est vrai que là, le fait d'avoir Narelenia, ça aide quand même pas mal ce deck. Mais voilà, donc bah, c'est une victoire, même si c'est en mode facile, soyons fiers. Hein, après tout, voilà, moi je suis content d'avoir fait cette partie, j'espère que ça vous a plu, et bah, on se retrouve pour la dernière aventure, donc le scénario 6 du cycle 6. On verra avec quel deck je le ferai, on verra s'il est dur ou pas, mais voilà. Donc bah, à bientôt tout le monde, merci d'avoir suivi cette vidéo, et au revoir.